Dans cette vidéo, j'ai créé une ligue avec les meilleures sélections sur FC24. Au total, 24 nations vont s'affronter pendant 23 journées dans un championnat extrêmement relevé. Ici, je contrôlerai l'équipe de France pour suivre tout ça. Quel est le pays qui terminera premier dans cette ligue très compétitive? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Et je ne l'ai pas précisé, mais il s'agit de la liste d'octobre pour l'équipe de France, donc ce 4-3-3 avec Kylian Mbappé, bien sûr, qui est présent, le capitaine, peut-être qui terminera meilleur buteur dans cette compétition. Et on va partir sur une simulation face à la Roumanie. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, bien sûr, mais là, c'est le premier match. Il y aura aussi un petit peu de gameplay dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Et le match nul, un but partout. Jonathan Clauss, récemment appelé, qui a marqué son but à la 16e minute. Mais malheureusement, ça ne suffit pas pour les Bleus, alors qu'on voit que la Pologne a mis 4-0 à la Norvège. Ça va être compliqué quand même de terminer premier dans cette compétition. Regardez, avec un match nul, on est déjà 13e dans ce classement. Ça va être extrêmement disputé. La Pologne qui est première, je ne sais pas si ça va durer, ça va être chaud quand même pour eux. Mais il manque bien sûr le Brésil hein, parmi ces sélections. Malheureusement, il n'y a pas le Brésil dans FC24, mais déjà, c'est très très relevé. L'Italie qui a mis 6-0 au Ghana. Incroyable ce résultat. Ils sont pas leaders, ils sont deuxième. L'Argentine, c'est la seule sélection qui a gagné ces trois matchs pour le moment. Les récents vainqueurs de la Coupe du Monde, nous, on est remonté à la cinquième place hein, après deux victoires. Et là, on va affronter les États-Unis. Allez, une petite simulation. Ils sont 22e quand même. Les Américains, il faudra que je fasse quelques changements, bien sûr, pour reposer mes joueurs, parce que là, il y a beaucoup de matchs. On s'impose 3 buts à 1 but de Rabiot, Tchouaméni et Griezmann qui avaient ouvert le score. Et là, on bat le Pays de Galles 2-0, un but de Clauss et Griezmann. Alors pour l'instant, on joue que les petites sélections, donc j'ai peur de la suite. Là, on a vraiment eu que les petites. C'est pour ça que je vous montre pas tous les matchs pour le moment, mais ouais, on est deuxième, du coup on en profite. La Suède, encore une sélection qui est 22e. Ouais, on a vraiment joué le bas de tableau, c'est incroyable. Je sais pas si c'est normal, mais par contre, l'Angleterre, ils sont premiers avec 5 victoires, 1 nul. Et l'Argentine a fini par faire 2 matchs nuls. Ok, donc ils sont descendus à la 3ème place. On va voir, mais je sens que les prochains matchs, ça va être très très complexe. 4 buts à 2, Mbappé qui a raté un pénalty, mais on s'impose malgré tout face aux Suédois. Allez, on fait un petit peu tourner face au Ghana avec des joueurs qu'on a moins l'habitude de voir en équipe de France. C'est parti pour une nouvelle simulation et la victoire, 2 buts à 1 but de Colomuani et Antoine Griezmann, alors que Jordan Ayew avait marqué pour les Ghanéens. Et pour l'instant, deux équipes sont vraiment au-dessus. Il y a l'Angleterre et l'équipe de France que l'on contrôle. La Belgique est 3ème, mais ils sont à 6 points de nous. Ils n'ont pas perdu. Il y a 4 équipes invincibles hein, pour le moment. Je ne sais pas s'ils ont un peu le même calendrier que nous. Mais en tout cas, ils ont pas perdu. L'Argentine non plus, même s'ils ont perdu des points. Le Maroc qui est toujours 5ème, la remontée de l'Espagne. Par contre, le Portugal et l'Italie, c'est toujours complexe. Et bon, dernier, nous avons la Roumanie. Bon, sur le papier, c'était assez prévisible. Et la première défaite pour l'équipe de France, c'était justement dans le premier gros match qu'on avait à les Pays-Bas qui arrivent à nous battre 3 buts à 2 ici, malgré les buts d'Mbappé et Olivier Giroud. On s'est pris un but par Frankie de Jong, le Barcelonais. 3-2. Et là, je pense qu'au classement, ça va faire mal. Il faut voir si l'Angleterre a gagné 3-0 déjà face à la Pologne. Donc je pense que, ouais, 5 points d'avance pour les Anglais. Aïe, aïe, aïe. Attention, la Belgique aussi qui est en train de remonter. France, Portugal, là aussi un très très beau match. Ils sont 10e, hein, malgré tout les Portugais. J'ai fait beaucoup de changements, évidemment, par rapport à la forme de chacun des joueurs. Et on s'impose 2 buts à 1, un doublé d'Mbappé. Une victoire très importante puisqu'il y a la Belgique qui est en train de nous rattraper. Par contre, l'Angleterre, ils ont subi leur première défaite. On va regarder le classement. Voilà, ici, nous sommes désormais à 33 points, 4 points derrière les Anglais. Alors que l'Argentine est un petit peu remontée aussi. La Belgique qui a subi sa première défaite, c'était la dernière sélection à ne pas avoir perdu, mais cette fois c'est le cas. Et le Maroc qui est bien descendu, malheureusement pour eux. Et en parlant du Maroc, ici on fait 2 buts partout contre eux. On était à l'extérieur, le but d'Mbappé, le but de Jonathan Clauss. Un match nul face à une très très belle sélection. Et l'Angleterre qui s'est imposée 3 buts à 1 contre l'Italie. Donc là, attention, hein, les Anglais, ils commencent à s'échapper. 6 points de retard, hein, vraiment sur l'Angleterre, ça va être chaud à monter. Allez, France-Italie, les gars, j'étais obligé de mettre les meilleures actions. C'est parti pour cette rencontre. Mbappé qui cherche et qui trouve Antoine Griezmann, le numéro 7 de l'équipe de France. Pour l'instant, c'est compliqué de contourner cette défense italienne. Rabiot avec la frappe, repoussé par Donnarumma. Allez, c'est la squadra Azzurra qui va attaquer désormais avec El Shaarawy, hein, qui est ici sur ce côté gauche. Hein, Chiesa, bien placé, il n'a pas frappé, mais il la donne. Et l'ouverture du score de l'Italie, c'est Berardi qui était tout seul dans cette surface. Ça fait 1-0. Griezmann, le ballon par-dessus, ça c'est une bonne idée pour Kingsley Coman qui va s'échapper. Sa vitesse, ah, il est obligé de s'excentrer.
face à la défense italienne. Coman qui est quand même passé doucement mais sûrement, le centre qui est contré, c'est pas fini. Mbappé, la tête captée par Donnarumma. Allez, 89e, un long centre pour l'équipe de France. Il n'y a pas d'enjeu apparemment. Coman, la frappe qui touche le poteau. Il a tiré de beaucoup trop loin sans doute. Et c'est terminé dans la foulée. L'équipe de France qui perd sur la plus petite des marges. Il s'incline 1-0 face aux Azzurris. Et c'est vrai qu'ils ont été supérieurs, plus efficaces. Peu d'idées quand même pour les Bleus. Allez, un petit France-Espagne avec Colomioni cette fois en pointe. C'est parti pour la simulation et match nul, un but partout. Alors, ils avaient fait un partout déjà contre l'Angleterre. D'ailleurs, les Anglais ont fait le même score face au Danemark et au classement, toujours deuxième. L'Argentine qui est très très proche, deux points de retard et on n'arrive pas à remonter pour l'instant sur l'Angleterre. Ah, enfin une victoire pour l'équipe de France. Je commençais à m'inquiéter. Griezmann qui a mis son doublé, Mbappé aussi pour le 4-1. Et on va espérer bien sûr le faux pas dans l'Angleterre, mais c'est le cas. Ils ont perdu 2-1 contre la Belgique. Du coup, nous sommes à 4 points désormais des Anglais. Et l'Argentine toujours en embuscade. La Pologne aussi, 10 victoires, 4 défaites. Incroyable parcours pour l'instant des Polonais. Allez, la Belgique contre l'équipe de France, ça aussi c'est un match que l'on va se faire en moment fort avec l'ordinateur Mbappé qui pour l'instant est le meilleur buteur de la Ligue des Nations, 11 buts marqués pour lui. Openda avec Onana. Oh, la Belgique qui va avoir peut-être une grosse occasion ici. Onana qui s'échappe et se projette, et la frappe qui va être repoussée par Maignan. Allez, Mbappé qui s'échappe ici dans cette défense. Il n'y a pas vraiment de réaction de la défense belge. Mbappé face au gardien et la frappe puissante, 1-0 pour les Bleus qui étaient quand même dominés par les Belges. Mais évidemment, le Célie contre-attaque avec cet homme, ça fait toujours très très mal. Allez, à l'heure de jeu, toujours la France qui est devant avec un but d'avance. Les Belges qui tentent de réagir. Openda qui a le ballon, la talonnade. Carrasco, le crochet, c'était limite, mais c'est récupéré. À 10 minutes du terme de cette rencontre, c'est l'équipe de France qui va attaquer. Colomuani qui est bien placé, il a remplacé Giroud sans doute. Et il s'échappe dans cette surface, le face-à-face avec Courtois qui est très très bon dans ce match. Et ça sent mauvais pour la Belgique, c'est l'équipe de France qui a encore l'attaque avec ce coup franc de Griezmann. Très bien frappé, capté par Thibaut Courtois, ce qui signe la fin du match. 1-0 pour l'équipe de France qui s'impose, une victoire extrêmement importante pour la suite de ce championnat. Il reste 4 journées au total et nous sommes à 2 points de l'Angleterre. C'est beaucoup plus serré que ce que j'imaginais. On va jouer la Croatie, donc là on va faire une simulation face aux Croates. Une très très belle équipe, c'est vrai. Mais j'espère qu'on va s'imposer malgré tout. Et bien oui, la victoire 2-0, un but de Kylian Mbappé, un but d'Olivier Giroud. On a dominé ces Croates et l'Angleterre. On va pas voir le résultat tout de suite, mais on va le voir tout de suite au classement. Ouh, l'Argentine, là ça va être très très chaud. Et bien ça y est, nous sommes passés devant les Anglais. On prend la première place avec 13 victoires, 2 défaites. Ils ont subi leur troisième défaite. Allez, l'Argentine face à la France. Là, j'étais obligé de vous mettre du gameplay, évidemment, surtout qu'ils ont un point de retard dans ce championnat. Où il y a beaucoup d'Argentins ici en défense. Kingsley Coman, s'ils arrivent à contourner tout ça, ils sont forts, les Français. Mais il faudra pour ça accélérer le jeu. Peut-être ici avec un centre de Jonathan Clauss, la tête de Kylian Mbappé et la parade de Martinez. Allez, le corner pour l'Argentine en deuxième période. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en première, mais ce corner va être mal frappé. Attention à la récupération de l'Argentine avec Otamendi. Ce sont les défenseurs qui étaient présents. McAllister, magnifique pour Nico Gonzalez. Lautaro qui est dos au but. Et la très très belle interception. Alors, il famoso, long centre de l'équipe de France dans ses moments forts. C'est une tête de Kingsley Coman. Griezmann qui va essayer de partir. Il va s'excentrer finalement. Est-ce qu'il va centrer? Non, il choisit la passe pour Colomuani. Ça, c'est bien joué. Et Mbappé qui tente sa chance et qui marque. L'équipe de France prend l'avantage dans cette deuxième période. Le capitaine des Bleus qui marque encore et qui va célébrer face à des Argentins. Pour l'instant, en réussite, vraiment les Bleus. Griezmann qui va tenter sa chance sur coup franc. En tout cas, essayer de donner un bon ballon. Oh, attention, c'est mal repoussé par l'Argentine et la frappe de Coman. Et c'est terminé, la France qui s'impose 1-0 face à l'Argentine. Ils n'ont pas été très offensifs ni efficaces et l'équipe de France a marqué encore une fois avec Mbappé. Et donc le classement, il reste 2 journées dans ce championnat, 1 point d'avance sur l'Angleterre. Et devinez quelle sélection on va affronter, bien sûr, ce sont les Anglais. Donc là, on va faire un match complet, on va laisser l'ordinateur jouer toujours. Mais ça sera un match complet parce que les moments forts, c'est bien sympa, mais il n'y a pas assez d'action. Allez, France-Angleterre, c'est le match choc de ce championnat avec bien sûr la présence de Kane face à Mbappé, Bellingham aussi qui est incroyable avec le Real. Allez, l'équipe de France qui a ce ballon, qui attaque, Giroud en relais, qui va retrouver son milieu de terrain. Je vous rassure, bien sûr, Mbappé qui doit être le meilleur buteur et justement il est là pour mettre la tête, mais c'est repoussé par le gardien anglais. C'est pas terminé pour l'équipe de France. Théo Hernandez pour Griezmann, la frappe contrée par Luke Shaw.
Et attention au contre hein, pour les Anglais avec Bukayo Saka qui est très très rapide, même face à Upamecano, ça suffit, il se retourne avec une passe pour Harry Kane, la frappe du numéro 9 anglais et l'ouverture du score pour l'Angleterre, l'efficacité du numéro 9 du Bayern, c'était son premier tir dans cette rencontre et ça rentre. On va voir au ralenti avec un Saka face à Upamecano qui a manqué d'agressivité, le contrôle d'Harry Kane et l'exécution très rapide pour marquer ce but face à Mike Maignan, Giroud. Allez, Giroud qui trouve Griezmann. Ici en retrait, Antoine Griezmann, super ballon pour Mbappé. L'égalisation très rapide des Bleus. On est à la 30e minute, un partout. Oh, ça va être un super match, hein, je sens. Bien loin des précédents que l'on a pu voir en moment fort. Et encore Mbappé qui rôdait dans cette surface. Quelle passe aussi de Griezmann, elle est magnifique. Et ensuite la finition. Antoine Griezmann, il a plusieurs appels, notamment sur le côté gauche avec Mbappé. Peut-être que l'équipe de France va prendre l'avantage avant la mi-temps. Le centre de Théo Hernandez, la reprise de Giroud, la reprise acrobatique qui était magnifique. Et c'est capté en deux temps par le gardien anglais. Mbappé, le centre. Et il va tenter sa chance. C'était pas suivi par les Anglais. Et Giroud, Giroud qui a surgi un petit peu de nulle part et qui permet à l'équipe de France de prendre l'avantage. Ça ressemble beaucoup au match qu'on avait eu en Coupe du Monde. Sauf que c'est Mbappé qui a marqué le premier but. Mais c'est bien Giroud qui marque ici. On va voir s'ils vont arriver à tenir hein, les Français. Ça va être compliqué quand même. Mais ils ont lâché hein, les Anglais sur cette action. Mbappé qui était le plus prompt hein, sur ce ballon. Et ensuite, la belle reprise de Giroud dans la surface. Rashford. Allez, Rashford, il nous fait la même qu'Mbappé tout à l'heure. Il est passé face à la défense française à chaque fois cette accélération qui est dévastatrice dans FC24. Et Rashford qui égalise. Bon, ben, ça n'a rien à voir avec le match de la Coupe du Monde puisque les Anglais reviennent dans cette rencontre. Et là, bien malin, celui qui va deviner le vainqueur de ce match. Là, tout peut se passer hein, vraiment dans cette rencontre. Declan Rice qui choisit l'axe avec Gallagher, Rashford. L'appel de Saka, est-ce qu'il y a hors-jeu? Je crois pas, il était bien placé. Harry Kane face à Mike Maignan. Et l'Angleterre qui prend l'avantage dans ce match. 3-2, c'est pas fini. Mais en tout cas, on a des buts hein, vraiment dans cette rencontre. Espérons que les Bleus, c'était très limite. Hein. Il s'est replacé à la dernière seconde. Kane, là, il était tout seul. Évidemment, il n'a pas tremblé face à Mike Maignan. Théo Hernandez sur le côté gauche avec un centre, Mbappé qui contrôle et l'égalisation, ça ne s'arrête plus. Troisième but pour l'équipe de France et sixième but dans ce match, le capitaine qui marque encore. Ouais, c'était surprenant comme action parce qu'il y a eu un centre, on s'attendait peut-être à voir Griezmann reprendre ce ballon, d'ailleurs il s'est jeté juste derrière, mais c'est bien Mbappé qui l'a contrôlé alors que ce centre ne l'était pas forcément adressé et il a très très bien fini face au gardien. Allez, Mike Maignan reste une minute dans le temps additionnel. En soi, le match nul arrange plutôt la France hein, qui est devant dans ce championnat. Et c'est ainsi que ça se conclut. 3-2, c'était un super match. On regrette presque qu'il n'y ait pas de prolongation et d'éventuels tirs au but. Mais 3-2, je le disais, c'est plutôt un bon résultat. C'est un meilleur résultat pour l'équipe de France que pour l'Angleterre. Et il restera un match pour départager ces équipes. Et je crois que la France joue l'Allemagne. Donc attention, ça va être très très chaud. Le classement après ce match nul, 3-2, on est toujours premier avec un point d'avance sur l'Angleterre. Attention à l'Argentine qui est troisième à 3 points. Bon, ils ont quand même une différence de but qui est inférieure, mais c'est tout jamais hein, ce qui peut se passer. Nous, on va jouer à l'Allemagne pour la dernière journée, donc ça va être très très chaud, hein, même s'ils sont 8e hein, la Mannschaft. Et l'Angleterre qui va jouer la Roumanie. La Roumanie bah, qui est 24e dans ce classement, donc sur le papier, ils devraient s'imposer. Ah, et ça va être chaud, ça va être très très chaud. À cette occasion, on va faire un match complet, bien entendu, c'est très très serré, donc on veut du gameplay. On veut des buts, c'est parti. Et ça c'est un bon ballon pour Sané. Ensuite il retrouve Goretzka. Alors il y a un appel dans la profondeur, mais il n'était pas très bon cet appel. Finalement il est servi. Non, c'est un grand pont de Goretzka face au gardien. Et il a tenté sa chance, c'est repoussé par Mike Maignan. Théo Hernandez qui a Mbappé devant lui, Giroud aussi qui fait l'appel, il va s'infiltrer, Théo Hernandez, Rabiot, très très bon ballon pour Kylian Mbappé, peut-être l'ouverture du score, et oui, ça y est, Mbappé qui a marqué sur la première incursion, hein, vraiment, de l'équipe de France, et donc les Bleus qui mènent 1-0 face à l'Allemagne, on va le voir hein, sur le ralenti, voilà, il y avait beaucoup de joueurs dans la même zone, finalement Mbappé qui a bien été servi dans cette surface, et il a battu Ter Stegen. Sané qui a ce ballon, comment vont-ils réagir les Allemands après ce but? Ils vont peut-être avoir une occasion ici. Sané qui retrouve Hoffman. Ils sont un peu hésitants sur les passes, mais la frappe ensuite, c'est contré par Upamecano. Attention à cette relance. Non, tranquillement finalement. Mbappé
Alors là, on est en deuxième période et Mbappé qui est parti, il est complètement seul. Alors qu'il y a 5 ou 6 Allemands. Ah, ça y est, il y a des Français qui arrivent. Griezmann qui finalement est bien placé. Giroud qui a un super ballon. Et la parade de Ter Stegen. Julian Brandt. Super ballon en profondeur. Oh, il a emmené le défenseur pour ensuite la donner à Hoffman. Et ça peut créer un décalage. Hoffman qui a beaucoup beaucoup d'espace et qui va frapper. Logiquement, la défense française là qui a pas été bonne hein, sur le coup, un manque d'agressivité qu'on avait déjà remarqué en première période. Et là, les Allemands qui en profitent enfin avec ce but et l'égalisation de la Mannschaft. C'est pas bon du tout dans ce championnat. Ouais, Hoffman, il a été laissé complètement seul. Il est arrivé au Upamecano, mais c'était beaucoup trop tard. Kylian Mbappé avec Giroud. Mbappé qui est retrouvé, ça c'est pas mal, le 1-2-3, Mbappé de nouveau, et la frappe ensuite, et la France qui reprend l'avantage dans ce match, Mbappé qui est encore efficace dans ce championnat, et c'est un but extrêmement important bien sûr, bon il reste beaucoup de temps, mais en tout cas la France qui repasse à la première place dans ce championnat, et on va le voir, voilà, Giroud, il fallait la mettre en une touche hein, pour être vraiment efficace, pour créer ce décalage, et la belle finition aussi face à Ter Stegen. Par contre, l'Allemagne n'a pas dit son dernier mot. Et là, c'est une belle incursion. La sortie quand même de Konaté. Allez, Julian Brandt qui a un bon ballon. Il va chercher un coéquipier. Là, il est complètement seul. Encore une fois, il a été lâché par Jonathan Clauss. Attention, de temps. Heureusement, Mike Maignan qui s'en sort ici. Toujours 2-1 à la 86e. Et l'équipe de France qui a un ballon très important ici. Le troisième but serait synonyme de titre. Pour les Bleus, Mbappé qui est sur le côté. Alors il fait des petits gestes, pas forcément utiles, mais ça permet de gagner du temps et ça va se terminer. Hein. Normalement, quoi qu'il arrive, c'est contré. Cette frappe de Griezmann, l'équipe de France qui devrait finir championne. Coman qui va tenter sa chance et qui ne marquera pas. L'équipe de France qui s'impose 2-1 face à l'Allemagne et qui remporte le titre dans ce championnat. Ils l'ont fait. Alors pendant longtemps, c'est l'Angleterre hein, qui était en tête. Mais ici, la France qui termine... Alors je sais pas si qui termine champion. Je sais pas si on va voir la remise du trophée ici. Eh bien non, pas de trophée, malheureusement. Pourtant, j'avais choisi une coupe. C'est assez bizarre. C'est dommage qu'il l'ait pas mis. Mais bon, peu importe. Ici, on termine champion avec la France. 51 points. Et c'était extrêmement serré. Un point d'avance sur l'Angleterre. On a la même différence de but, la même attaque, la même défense. C'est fou. Hein, c'est vraiment fou. Bon, par contre, on a une défaite de moins. C'est ça qui fait la diff. Un match nul qui a fait la différence avec l'Angleterre. L'Argentine aussi était très proche. La Pologne, surprenante Pologne, qui termine 4e avec 43 points. C'est autant que la Belgique. L'Espagne qui est 6e aussi, 43 points là aussi, hein, c'était serré. L'Italie 7e, l'Allemagne 8e, le Maroc qui a fait un bon parcours mais qui est un peu plongé hein, sur la suite de la compétition. Il termine quand même devant le Portugal, les Pays-Bas et la Croatie, ça c'est beau. Et puis tout en bas de ce classement, voilà, vous avez les équipes qu'on attendait, notamment la Roumanie, l'Écosse, le Ghana qui est 22e, 2 victoires, 9 défaites. Hein, c'est quand même pas un très bon bilan en termes de victoires. Par contre, 18 défaites, la Roumanie c'est clairement le pire, ils ont beaucoup encaissé, 41 buts, l'Écosse 45. Mais on va regarder évidemment le classement des buteurs et Mbappé qui termine bien, meilleur buteur de cette compétition. 18 buts en 23 matchs. Kane qui est deuxième, 14 buts en 21 matchs. On a un joueur tchèque également, 12 en 23 matchs. Gonzalez pour l'Argentine, Nico Gonzalez, Lewandowski qui a aidé aussi la Pologne à se hisser aussi haut dans ce classement. Le meilleur passeur, eh bien c'est un tchèque, 11 passes dé en 23 matchs. Je vais pas le prononcer hein, celui-ci. Kane qui est également un bon passeur, 10 passes dé en 21 matchs. On n'a pas de français, s'il y a Coman qui est tout en bas, 4 passes dé en 22 matchs. Et puis le meilleur gardien c'est Courtois, 8 à 1 subité, bon à égalité avec Mike Maignan, ils auraient pu le mettre premier d'ailleurs parce qu'il a quand même fait en 22 matchs. Et voilà donc pour cette compétition, un format qui était très sympa, on n'a pas l'habitude de voir les sélections sur autant de matchs, donc je trouvais ça plutôt cool. Et là on a une très très belle image, Mbappé avec bon, des champs de Wish on va dire, hein. Il n'est pas du tout modélisé, très très mal fait. On a le meilleur gardien de la compétition, Thibaut Courtois, bah, c'est lui qui avait le plus d'1 subité. Et l'équipe de la compétition également, Courtois, Acuna, Otamendi, Upamecano, il y a pas mal d'Argentins. Meunier pour la Belgique, Leao qui est là aussi, Zielinski pour la Pologne, Fernandez, Gonzalez, Mbappé et Griezmann. Voilà donc pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao !